Salut à tous, c'est Pêcheurs de Trésors en compagnie d'Alex. Aujourd'hui on est là pour faire du lourd, on est sur un coin un petit peu à l'écart des regards, ouais. Pas loin d'une route et proche d'un cours d'eau. L'idéal pour jeter plein de shots. Allez, on va voir ce qu'on va trouver, venez, on vous emmène avec nous. C'est la fin de l'été donc il n'y a pas trop d'eau, voire pas du tout. C'est l'occasion de trouver plein de choses qu'on n'aurait pas pu avoir avec Clément. Regarde, une antenne 5G, là il y a de la ferraille. Il y a du plus gros. Alors surprise, qu'est-ce qu'il y a? Bah déjà il reste un peu d'eau. Ah bah là direct en trop fort les gars. Ça rigole pas. Même pas besoin de le chercher. Devant le chemin. Ah, il est au bord. Il est plus là. Ouais. Carrément au bord. Il est vraiment. Ça c'est la porte. Ouais on dirait. Ouf. Ouais c'est une sacrée porte. Mais il est pas mieux. Regarde. Sentry safe. Ah ouais. Il est pas vieux, il est neuf. Hein. Oh. Ah ouais. Ouais, c'est... Il marche bien les touches encore, il est pas cassé. Il doit pas être donné celui-là. Ah, il est pas vieux, regarde. Ils l'ont bien ouvert. Ils ont piqué les piles. Non, ils sont dedans. Peut-être... Ah, il y a des sous. Regarde. Ah, il y a des pièces, ouais. Derrière. Ouais, c'est énorme. On va acheter du pain. Mais c'est énorme. Attends. Oh, ça faisait longtemps qu'on avait pas eu des sous dans un coffre. Ah, attends, fais gaffe, les doigts, il y a du gars. Ouais, on va enlever ça. Ah, là, il y en a encore une. Ouais. Bon, comme quoi, il n'y a pas forcément besoin des mains à chaque fois. Hein. Non. Ah, on a attendu qu'il y ait plus d'eau. Et... Tiens, tu voulais des piles, ils sont là. Incroyable. De toute façon, on va tout repartir avec là. Ah, la pile, elle a fondu. Et ça, c'était du coffre-fort. Hein. Regarde le nombre de points qu'elle a à la porte. Moi, j'ai trouvé un stylo 4 couleurs, les gars. Attends, je vais le lever. Attends, c'est un verre en fait. Ouais, c'est un verre qui est dans le génois. Ah ouais. Oui, il était épais. Et, c'était un beau verre ou pas? Non. Non. Oh, ils l'ont défracté, ça, mec. Ah, il y a une assiette ici les gars. Pour faire une gamelle à Rasta. Bon, comme on a l'habitude de le dire, en général quand ils font un cambriolage ou un vol, ils récupèrent le coffre-fort carrément, ils l'ouvrent sur le chemin et ils le jettent avant de le ramener chez eux. C'est vrai que le système est très spécial. Ouais, c'est j'en ai jamais vu des fois. Et là regarde, il y a un autre coffre au mieux. C'est une entreprise qui doit pas trop faire confiance à ses employés, c'est en mode tu vides la caisse de soir à l'intérieur. Et tu peux plus y retoucher quoi. Et le lendemain je verrai. Ah, il y en a une petite là. Qui c'est qui va chercher l'autre au mieux? Regarde. Non, tu vas t'enfoncer de ouf. Le fou, il y va. Allez, les TN, RIP. C'était sûr. Ah, au pont Warley. Non, Rasta, n'y va pas toi. J'espère qu'il y a des choses dedans. Oh, on dirait qu'il n'y en a pas. Ah. Oh, c'est les TN aussi, peut-être. Oh, les TN. Ah, t'es pas allé pour rien, on dirait. Oh, les TN. Oh, ça dope. Oh, ça pue. L'odeur est insupportable. Ah, oh, vous avez la couleur, mais nous on a l'odeur. Oh, on va vider. Oh, attends. Regarde. Oh, enculé. Oh, ça. C'est horrible. Le Rue Scott, t'aurais fait un flammy déjà. Oh, regarde, Papa Ours. C'est vrai? Regarde. Ah, oh, Papa Ours. Ils ont cambriolé Papa Ours. Ah, ouais. On y est allé manger. C'est ça qui est super drôle, c'est qu'on y est allé manger tous les trois ensemble en plus. Ils ont cambriolé Papa Ours, le restaurant. C'est une chaîne, non? Mais là, c'est Et du coup, c'est quoi? C'est les menus? Non, regarde, c'est des flights. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Bon voilà. Cadeau. Oh, c'est des bons cadeaux de chez Papa Ours. On va se régaler. Non, mais Matt, regarde. C'est des bons cadeaux, c'est marqué. Ah, ils vont nous spot direct si on va, se pointer. Bonjour. Par contre, ils vont sentir l'odeur des bons cadeaux, ils vont comprendre qu'il y a un problème. Tu es avec des bons cadeaux qui ont été cambriolés. Ils ont noté le numéro de série. Il n'y a même pas de numéro. Papa Ours, il va sortir de la cuisine et il va te défoncer. Mais ça se nettoie, par contre, c'est plastifié. Regarde, des bons cadeaux, c'est bien marqué là. C'est Papa Ours, ça vaut combien? Je sais pas. Il devait être déçu par contre là, s'il y avait que ça. Le gros, il devait être à Papa Ours aussi. Hein. Il n'y a que ça. Acheter Nike Air, c'est bon pour aller. Ouais, du coup, Papa Ours, c'est un Narbonne, donc pas loin d'ici. Il n'y a pas de placement de produit. Hein. Non. Mais même si la viande est bonne. Ah, regarde, avec... oh, il joue avec une extremiste. Ah oui, c'est ça qu'il fait. Il va se faire tirer le museau. Rasta, tu vas te faire tirer. Arrête! Elle doit te faire mal! Ça a été fait déjà en fil. Ah, t'avais des traces de pas? Ah, ouais, il y a quelque chose là. C'est une plaque? Plaque de coffre ou non? Non, c'est une plaque de verre. Putain, ah, ouais! Ah, ouais. Du verre, ok. Ouais, c'est intéressant. Voilà, les gars, il y a un porte-monnaie. Oh, bien! Bien, ça. Là, il a l'air bien vide. Hein. Moi, je vais le garder, on ouvrira. Ah, c'est bon. Une pièce de bagnole. Ah oui.
Et de voiture, les calandres de pare-chocs. Ouais, ils ont jeté d'ici ou il y a eu un accident peut-être aussi là. Ah là, il y a un couteau. Une arme de meurtre. C'est clair. Ouais. Ah mais ils vont peser 400 maintenant. Même ça, c'est con, on va le monter. Là, petit 3 est sympa. Couteau Laïol. Inox 18-10. Ouais, il est mort. Ah bah Rasta, qu'est-ce que tu fais? Te couche pas dans la boue, hein. Wow. Attends, on va faire un combat, t'es prêt? Allez, vas-y. Là, il y a affrontement, là. Elle va lui faire un canard, elle ouvre grand les pinces. Là, ça va pas, là. Regarde, elle va lui faire un canard, c'est mignon. Ah, elles ont fait la paix. Ah non. Bisous et tout. Ah non. Ça va se taper, ça va se taper. Il y a embrouille. Il y a embrouille. 10 balles sont pas grosses. Ouais. Allez, maintenant, vous arrêtez les bêtises. Non. Oh non. Elle fait le mort. Elle est courageuse, elle t'attaque. Victoire par KO. Elle doit faire mal. Hein. Ouais, c'est un peu chaud. Ah. Allez, casse-toi. File dans l'arbre. Chiante elle. Bon. Bref. Il n'y a rien. On va le fermer. C'est quand même bizarre. Hein. Bon, bizarre. Quoi ça? Oh, c'est du bloc de béton. Tu vois? Oh la vache, c'est joli, le camion plaisir. Ah, c'est un sac de ciment qui s'est solidifié, non? Exact. Dans le sac. Bien vu. Ouais, ciment de la chaux, ouais. Ah. C'est bien. J'allume feu. Hop là, putain, ça. Il t'a des bouteilles en tout genre. Ouais, j'allume feu. Je crois qu'il est pas cassé. Non, reste à l'aise. Oh, c'est un allume feu. Aïe. J'ai compris, lui, il préfère ça. Un briquet. Un briquet. Canette, hein. Un ballon. Ah, un balai. Oh, et ça, regarde. Bon morceau. Je vais te montrer un truc, Quentin. Bah, les couilles. Ah non, non. Regarde. Ah, une cuisinière. Une pancha. Ah, c'est une roche de pancha. Ouais, c'est vrai. Bon, ça fait un peu de poids de ferraille. Tac, il reste de l'eau dedans. Tu crois que c'est encore du Perrier citron ou juste de l'eau? Goûte. Ah non, mais t'es malade. Oh, ah, oh, oh, c'est bon. Attends, je le vide. Il était plein? Non. Si? T'en veux? Non, merci. Ça sent encore bon. Ouais, hein. Ah, ça sent moitié le cadavre, mais. Parce que j'ai des gants qui sentent le cadavre. Regarde ici, vas-y, c'est une étagère. C'est vrai qu'à tout moment il y a un cadavre dans cet endroit. On dirait une étagère à livres, ça. Ah, c'est du lourd là. Ah, putain, pour le vin, non? Ah, ouais. Non, pour les livres. Enfin, peut-être pas pour le vin, parce que les vins ça aurait été quadrillé. On en a besoin d'une pour le vin. Ouais, c'est vrai. Ah, bah voilà. Ça va tenir hein, pour le vin en vrai. Oh, regardez. Un petit poste. Hein. Ah, il marche tout le monde. T'entends? Ah, ouais. C'est bizarre, la musique. Tu as percé sur moi. On va prendre retour. Je le ferai au montage, faudra y penser. Ouais. Ah, t'as vu une ponceuse? Ryobi. Allez, je prends la ponceuse. Là, on va y faire en haut. Ah. Ouais, c'est un dépôt. Là, tu vas comprendre. Ouais, tant pis. Non, non, mais vraiment, je comprends. Ok. Wouah! Mais c'est que du plastique. Les tubes de cuivre, il y a du cuivre à l'intérieur, normalement il n'y a plus rien. Les câbles sont tous dégainés. Regarde comme c'est récent. Ah, c'est, là. Ouais. C'est ouf, hein? C'est un installateur de clim. C'est un clim douche, on dirait, parce qu'il y a un peu tout. Hein. Il y a des clims, il y a des douches. Ouais, il y a des douches aussi. C'est vrai que c'est une sorte de lanterne. On peut donner la pose de l'endroit, rescue Océane. Ouais. Ah là-bas il y a une douche. Ouais. Ah, ouais, ah ouais, ça aussi c'est encore de la douche en balnéo. C'est meilleur. C'est une sale bestiole qui était sur moi, je vais pas toucher. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a pas d'accès route, il vient à pied. Non, il y a rien ici. Il se gare là. Ouais, il y en a, c'est là en fait. Ah
ouais, mais mieux, pas mieux. Mais c'est bizarre qu'il jette pas juste là et qu'il aille carrément là-bas, ouais. Déjà. Putain, le bordel là-dessous, regarde. Ils en jettent partout. Il y a une télé, regarde. C'est un bon accès. Il y a pas jour de tout. Qui veut un écran plat LG, les gars? Pas cher. Très bon état. Il est ouais. Beau encore. Hein. Sacré bordel. Tranquille. Oh putain, elle est dessus. Ah, mais ça aussi, c'est une télé. Ah ouais, j'avais pas vu. Regarde, le pont, il y a des stalactites. Ah ouais, joli. Ah ouais. Oh my. Il y a des tickets de caisse là. PMU, comme par hasard. Comme par hasard. Ouais, ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas. J'ai des indices, c'est un joueur de PMU. Il a braqué un PMU. Et non, c'est un joueur et il nous a laissé des tucs. Oh, il est gentil. Attends, y'a pas le Ricard qui va avec. Goût bacon. Il a braqué aussi, hein. Périmé depuis le 31-01-2022. On analyse. Je sais pas, on dirait une pièce de maquette de voiture de deux chevaux. Tu sais, les capots. Hein. Ouais. Ça ressemble, hein. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a en fer en plus. Ouais, c'est moche. On le prend ça ou pas? Ouais, tranquille. Sur les épaules? Ouais, je lève. Regardez, ils ont réussi à exploser la fonte. Les deux? Les deux. Ouais. Ah oui, les deux. Donc on pense peut-être en plus, à ouais, c'est en un une, vérin hydraulique c'est entre les c'est deux. C'est en une seule pièce, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est à la main, ça paraît compliqué. Ouais, ça paraît fou. Ouais, il faut y aller voir. Ouais, ça a même pas été tapé. Hein. Non, ouais, tu n'as aucune trace. Oui, c'est vrai, il y aurait des là, traces. Là, t'as une trace là. Ouais, ça aurait enlevé la peinture. Il n'y a rien, mais même un verre entre les deux, tu l'aurais vu, non? Ça serait non. Écrasé, non, un peu? Non, ça non, non peut-être non. Pas. J'en ai un, moi, je te jure, tu peux pas te tracer. Genre, il aurait coincé là, ouais, mais c'est trop petit. Ouais, mais ça peut exister, mais. Ouais, tu crois qu'il y en a des petits. Tu mets comme ça, bien, sur. Ouais, ça doit pouvoir exister. Ouais, bah, belle pêche, c'était pas énorme en quantité, mais. C'est bah, ouais. Sympa. Ouais, c'était pas une pêche surtout. Ouais, c'était pas une pêche. Après cette vidéo, Alex a pu rentrer en contact avec le restaurant Papa Ours qui s'était effectivement fait cambrioler il y a quelques semaines. Donc voilà, on n'a pas plus d'infos sur le butin, mais c'était bien un cambriolage. En ce qui concerne cet endroit, il est visiblement utilisé à la fois par les cambrioleurs et par des personnes peu scrupuleuses qui font des dépôts sauvages. On a signalé l'emplacement de tous ces dépôts sauvages à l'association Rescue Océan et on espère qu'on pourra avec eux nettoyer cet endroit. Nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos de pêche à l'aimant cette fois.